Choucrolout, ici Lupina pour l'épisode numéro 6 de l'histoire des Dégalientis. Je suis désolée du temps que vous avez dû attendre pour la suite de cette série. J'espère que l'introduction vous aura plu. Cette semaine, il n'y aura pas de vote. La semaine prochaine non plus. Et d'ailleurs, à propos de la semaine prochaine, ce sera un épisode spécial, c'est-à-dire qu'il sera très court. Il n'y aura pas de let's play. Ce sera juste une scène. En fait, ce sera pour vous expliquer un petit peu euh, ce qu'il y a dans la tête de Léontine. J'espère que ah tu vas pas commencer vivous. J'espère que ça vous plaira en tout cas, mais vous verrez ça la semaine prochaine. En attendant, bah j'ai décidé que on irait rendre visite aux autres vampires. Donc là, on est chez euh, chez 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 comment ils s'appellent les Del Delmortezanga. Voilà, donc ils ont un petit un petit bambino, Raphaël. Y'a pas déjà un Raphaël Il s'appelle pas Raphaël, le petit, le petit rouquin. Si. <laughs> ok, bah super. Donc la maison, euh, euh, j'ai un gros doute, je ne sais plus qui l'a faite. Je ne sais plus si c'est quelqu'un qui me l'a envoyé ou si c'est moi qui l'ai prise dans la galerie. Je suis navrée, je suis vraiment navrée. Donc, euh, donc désolée. si c'est l'une de vos maisons, n'hésitez pas à, vous, à le dire. Oh, je, sais plus, je sais plus ce que j'ai fait, je suis désolée. J'aurais dû noter aussi le nom des créateurs de maison, j'y ai pas pensé. Euh, mais à culpa. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que Léontine, elle va vivre sa vie. Je voulais voir s'il y avait les parents, mais ils n'ont pas l'air d'être là. Hein. Youhou, les parents Où êtes-vous Alors, il y a le petit bambino ici. Là, il y a Gabriel. Et. Et en haut. En haut. Mais ils ont pas l'air... D... Ils sont pas là les parents Eh oh, ils font quoi vos parents Bon bah Léontine, euh, tu vas regarder la télé, écoute, qu'est-ce que je te dise Ah, ça frise Je suis désolée, euh, mon PC a un petit peu de mal. Donc tu vas... Non mais non, c'est Bertie que j'ai là, je suis bête. Euh, tu vas t'asseoir Léontine, et puis tu vas t'occuper de ta vie. Et nous, on va aller avec la petite Bertille pour discutailler un petit peu avec Gabriel, donc ici présent, et Maria, si je me souviens bien, qui est en haut, donc que j'ai complètement oublié de vous présenter euh, dans le let's play où Ah bah il va se coucher, bon bah écoute, tu vas laisser tomber, c'est génial, on va aller parler avec Maria, voilà la petite Maria, Maria, no dori, nani nani, bref, on va arrêter de chanter. <laughs> Alors, on va... On va la complimenter parce que c'est vrai qu'elle est mignonne, cette petite Maria. J'aimerais bien aussi que Bertie ait euh, des copines filles et des copains garçons. Parce que donc pour, pour Raphaël et comment il s'appelle Edouard, j'ai des idées, n'est-ce pas Mais vous, vous vous doutez de ce que je pense, mais du coup il me faudrait, faudrait qu'elle qu soit un peu amie avec tout le monde. Il faut vraiment qu'elle soit amie avec tout le monde. Euh, C'est l'un de mes challenges. Voilà, donc le chat se réveille. C'est génial. Il a pas miaulé de la journée là que je commence mes let's play. Faut qu'il fasse chier. Rougal. Viens. Bibou. qui est chiant. Attention war. Ce chat est un attention noir, Voilà. Oui, parfaitement, tu as un attention noir. De balle, donc ça va être euh, le la chaîne YouTube de gros Voilà, je suis un chat, je miaule tout le temps. Je fais mon petit, je demande de l'attention. Donnez-moi-en, s'il vous plaît. Donc voilà, donc ma chaîne va changer. Vous l'avez compris, ça deviendra la chaîne du chat. C'est génial, on adore. Euh, J'ai installé le MC Commander. <laughs> Ce sera le seul mode que je remettrai dans mon jeu en espérant que ça ne bug pas. Je l'ai... En fait, je vous explique. Je l'ai euh, mis pour mon Legacy Challenge que je fais sur une autre sauvegarde. Donc, ça n'a aucun rapport avec les sauvegardes du sang bébé ou de Bertille. Donc là, il est désactivé parce que j'ai peur que ça fasse la merde, en fait. Qu'est-ce que je disais Oui, donc, pour le Legacy, en fait, ça m'embête de devoir euh, repeupler à chaque fois euh, tout. Donc, vu qu'il faut faire ça sur 10 générations, j'ai un peu autre chose à faire. Du coup... Euh... Bah du coup, j'avais mis le, le MC Commander, n'est-ce pas Et je, je l'ai désactivé ici. Peut-être que je m'en servirais, ça m'aiderait peut-être pour mes cinématiques. Mais j'en sais rien, en fait, j'ai trop peur que ça fasse n'importe quoi. Que mes familles soient toutes mélangées, enfin... Euh, voilà, donc là, il est désactivé. Mais je vous le dis parce que je ferai sûrement un live euh, pour continuer le Legacy samedi et vous risquez de le voir. Donc euh, vous ne demandez pas où c'est que c'est passé. C'est normal, tout va bien se passer. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça en fait parce qu'on s'en fout. Euh, donc qu'est-ce qu'elles font bon, Elles ont l'air plutôt euh, plutôt euh, copines, hein, ça va. Hein euh, pourquoi rentrer chez toi Mais non, Bertie, n'importe quoi. Présentation amicale avec le petit. Parce y a et c est en train de discuter à côté du mec qui dort quand même. Hein. Tout va bien. Voilà. Donc le chat recommence. Ce chat est un attention noir fini. Alors ceux qui savent pas attention noir, ça veut dire qui demande de l'attention. Hein. C'est génial. Mais qu'est-ce que t'as, Bertie, euh, Léontine Putain, je me mélange dans les noms là. On s'en fout, de toi. On s'en fout. Voilà, dissoudre la bande. Tu vis ta vie et. Euh... Je suis en train de te parler en fait, Maria. Hein. <laughs> J'en ai rien à foutre. <laughs> c'est génial, on adore. <laughs> Donc oui, on va essayer d'aller voir un petit peu tout le monde. Voilà, c'est bon, il est en train de faire le fou. Donc il y a Hydromel qui est là sur la table, Grougal, le chieur, et Ecstasy est juste là, mais vous ne la voyez pas. Hein Je suis entourée de chats, j'ai tapé dans le micro, c'est génial. Euh, on va la complimenter, le petit, qu'est-ce qu'on va... On va le calmer parce qu'il a l'air chiant. Bon, c'est dommage, on peut pas parler à Gabriel parce qu'il dort. On ne va, va peut-être pas le réveiller quand même. Grougal Mais il n'y a pas de miaou qui tienne. Je te vois là. Hein. Le petit con. Bon, Ruru va occuper les chats. Normalement. <laughs> ah non, mais c'est bon, Rudolf. On n'a pas besoin d'un deuxième Grougal. Ah, elle a envie de faire pipi. bah va faire pipi, Maria. On va parler avec ton frère pendant ce temps-là. Ça y est, il est levé. Enfin ah oh oui Plaisante sur le camembert C'est tellement drôle Y'a Ruru qui joue comme ça avec le plumeau. Je vois un truc qui bouge là sur le côté, c'est atroce. <laughs> n'importe quoi Voilà, donc on va... On va hum, Qu'est-ce qu'on va faire On va faire une imitation. On va imiter Léontine. Non, Betty, tu ne dois pas sortir, voyons Putain, je n'importe quoi Bla bla. Mais elle le fait très bien, c'est ça. Non, non, non. <laughs> oh, je troll mon propre personnage. En vrai, j'adore Léontine. Hein. Euh, ne vous inquiétez pas. J'adore tous les Sims que je fais. Même les plus moches. Et oui. On va raconter une histoire idiote. Que... Alors oui, euh, on, va, on va faire attention par contre. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait encore un mort de rire. Hein. Euh, c'est une longue histoire. Je vous expliquerai ça samedi euh, pendant le live. Mais ce sera très triste si vous venez donc samedi euh, à 21h. Oh La maman est rentrée Coucou maman Bah attends, Léontine, elle va te tailler une bavette là Si vous, si vous entendez des bruits, c'est les, les chats qui jouent euh, ensemble. Hein. Vous, les chats qui jouent avec Ruru. Donc euh, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Conversation profonde. Est-ce que le père est rentré Ah ça me gratte, c'est atroce. Il faut toujours que ça me gratte dans mes vidéos en fait. C'est génial, on adore. L'autre jour, je me grattais les fesses. Maintenant, euh, ça me gratte le, le boobs. C'est super C'est toujours où oui, il faut pas. <laughs> Mon Dieu Bon, ils sont tous réunis en tuperware dans la chambre, là, par contre. On va lui faire une grimace. Elle a l'air crevée, la pauvre petite. Maria, tu es fatiguée. Il est quelle heure, là 2 heures du mat Bon, on va dire que vers euh, 30, on va s'en aller. Voilà, on va s'en aller à 30. Ah bah, attends, il y a le papa Léontine, raconte ta life au, au monsieur. Voilà, donc euh, compliment de sa maison. Et c'est le bordel là. Hein. Regardez ça, il y en a partout. Il y en a partout. Bon. Bah du coup, ça a l'air bon. Euh, elle est plutôt copine. Non, elle n'est pas trop copine avec Gabriel, mais avec euh, Maria, ça va. Ça va, ça va. Bon, bah ça c'est bien. Euh, du coup, il est 2h37, donc on va se casser. Léontine léontine, voilà, tu viens là, c'est bon? non, mais rentre pas chez toi, hein? non, 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 non. non. du coup, nous revoilà, euh, on est à new christ, avec la famille, la famille. Euh, story vampire, donc, euh, léontine, tu vas raconter ta life à ces messieurs dames. conversation profonde, et puis, euh, complimenter la tenue. Et toi, ma petite Bertie, tu vas aller frapper à la porte, parce que là-bas, il y a un frère et une sœur. Euh, je sais plus comment ils s'appelle C'est Lady et... et un petit... Euh, un petit, petit... Je ne sais plus comment il s'appelle, le petit Mike, je crois. Je ne sais plus. Euh, voyons voir. Ah, là, il y a Lady. Lady, viens on va discuter du meilleur violoniste, c'est tellement intéressant, puis ensuite on parlera de fractions, parce qu'on est des gros intello. <laughs> c'est tellement ça. <laughs> ah bah elle est bien, elle est bien habillée en, en humaine, ça c'est bien. Ok donc le chat est en train de faire des tournées boulées, c'est génial. Et là il y a le gros qui joue, attention, la vivacité d'Hydromel, lol. <rire> <rire> Discuter de dactylographie, voilà, c'est super. Hein. Euh, je pense qu'elle va être passionnée, euh, la petite. Dactylographie. Oui, les cours de dactylographie. dactylographie. <laughs> je crois que c'est la compétence d'écriture. Quand t'apprends à écrire, je crois que c'est ça. Ou quand t'apprends à écrire sur le clavier, je sais plus en fait. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Il faut avouer ne pas savoir. C'est quoi, du coup euh, okay. Je crois que c'est ça, mais ça se trouve, depuis le début, j'ai faux. Donc, de un texte sur voilà, c'est ça. Donc, écrire sur le... sur le clavier. Ah, il y a Mike. Coucou, Mike. Coucou, c'est moi, la reine des vampires. Wesh, wesh, comment tu vas Non, mais ils t'entendent pas, là, hein, tu sais. Donc, euh... On parle plus fort ou... Vous avez appris un nouveau mot et vous pourriez dire que. Ils t'entendent euh, pas. <laughs> <ça va chier. rire> Rudolf disait. Et ben je vais te dactylographier quelque chose. Bon, c'est n'importe quoi cet épisode, je suis désolée. Euh... Quoi Il paraît qu'il y a un moyen de les guérir. Ah oui, 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 il y a une. Il y a une potion. Oh, il a le nez bizarre, le père, j'avais jamais vu. Oh, oh my goodness. C'est. Oui, d'accord. <laughs> d'accord, monsieur, votre nez est très étrange. <laughs> bon, ben bah, pourquoi pas. Hein. Et la mère, elle est pareille, non <laughs> Je ne sais pas où elle est. Bon, tant pis, je crois qu'elle s'appelle Bella. <coughs> bon, du coup, les petits... Bah ça va, ça va, ça monte tranquillement et avec toi. Ouais, ça va aussi. C'est vrai qu'elles n'étaient pas très copines pendant le bal. Donc euh, on va essayer d'y remédier un petit peu quand même. Jouer à faire semblant. Voilà. Ensuite, vers... Euh, ouais, vers 4 heures, enfin dès qu'elle aura fini ses actions, on va aller voir bah, quelqu'un d'autre. Tant qu'à faire. Voilà, c'est l'épisode n'importe quoi. Donc je dis n'importe quoi, je suis désolée. Je suis navrée. Oh, les factures! Super! <laughs> On adore. <coughs> Allez, zouzou, les enfants. Donc, ça va. Donc, elle a plutôt bien augmenté ses, compé ses, ses compétences, ses relations. Donc, ça, c'est cool. D'ailleurs, un autre truc, c'est que je vais vous dire quelque chose. Euh, Bertie ne va pas tarder à devenir adolescente. Parce que j'ai bien envie qu'elle devienne adolescente. On va juste faire un petit pissou avant de partir, quand même. S'ils veulent bien s'en aller, allez dégage, Mike. Merci. Euh, et du coup, quand je la ferai passer adolescente, tous les enfants qu'elle a fréquentés deviendront adolescents aussi. Comme ça, on pourra avoir une continuité dans nos relations. Alors, et les enfants qui étaient bambins deviendront, euh, deviendront enfants et les bébés bambins, etc., etc. Peut-être même que je referai même des enfants. Je sais pas, je verrai. Pff, on verra. On verra tout ça et on va surtout bouger. Et re Alors, on est chez les Tolmen, je crois. Vous aviez bien aimé Crystal. C'était votre deuxième choix après Edouard. Donc, je vais voir où elle est la petite. Merde, on est lundi. Elle va pas tarder à aller à l'école. Ça, ça craint. Euh, du coup, Crystal, on va être sympa avec elle. C'est elle est vrai qu'elle est vachement mignonne. Si je me souviens. Ah, mais non, mais tu descends quand je monte. Comment on fait Oh là là <laughs> C'est vrai qu'elle est grave. Kiki avec ses petits yeux roses, elle va être trop kawaii quand elle sera, euh, quand elle sera euh, ado. Ça va être trop mignon. D'ailleurs, euh, je précise que c'est une humaine et que euh, le frère et la sœur Tolmen l'ont adoptée. Donc je lui réserve quelques petites surprises tout comme Mike d'ailleurs qui était le fils de Bella, Mike que vous avez vu juste avant, qui est le fils de Bella mais qu'elle a eu quand elle était humaine. Voilà. Donc on va devoir faire des choses, mais vous verrez plus tard. <laughs> le vieux rire pourri. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec la petite On va faire une référence culturelle parce que c'est vrai que Bertie est très cultivée. Franchement, euh, j'ai jamais eu autant de compétences aussi élevées avec un enfant. Mais regardez ça, quoi. Oh, D'ailleurs, je crois que je vais lui apprendre la photographie quand elle sera ado parce que je le fais jamais. À chaque fois que je me dis ouais, faut que je fasse la photographie et à chaque fois je le fais pas. Donc ça pourrait être sympa. Mais on verra ça quand elle sera. Adolescente. <laughs> on verra ça, on verra ça. D'ailleurs, il ne manque plus que les facultés, les facultés motrices. Oui, donc euh, je pense qu'à l'épisode 8. Si vous êtes d'accord, vous me direz dans les commentaires. Ou à la limite, je vous ferai un sondage, tiens. Je vais vous faire un sondage. La meuf qui a bien dit au début de vidéo il n'y aura pas de sondage. Bah, bon, en fait, si, il y aura un sondage. Ça, ça, comme ça, on verra si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo ou si vous partez dès le début. <laughs> Donc, il y aura un sondage, vous me direz si vous voulez dans l'épisode 8, est-ce que, grand, qu est que grandit Bertille Tout à fait. Est-ce que Bertille grandit Voilà, vous me direz ça. On va faire comme ça. Euh, du coup, toi, c'est bon Ouais, cause avec le frère, et la soeur, là, c'est magnifique. D'ailleurs, euh, elle est très jolie, mademoiselle. Hein, elle a de ses visages. Très, très mignonne. Elle est très, très mignonne. Le frère, le frère aussi. Et Kiki. Mais ces yeux rouges me font flipper. Ils sont très mignons. Franchement, vos personnages, enfin vos sims sont tous très beaux. Euh, GG à vous. Euh, je pense qu'il est l'heure d'aller à l'école bientôt. Donc euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. Et re les amis, donc Bertie est donc partie à l'école. Enfin vous savez, hein. ce sera comme si, euh, comme si elle, euh, elle était à la maison. Mais je ne peux pas faire autrement. Et qu'est-ce qu'on va faire avec Léontine Eh ben Léontine, déjà, elle va aller boire un coup. <laughs> boire un coup ah, 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 ah Lol Un coup Bon, j'arrête, là. C'est... C'est nul. Hein C'est très, très nul. On va aller boire... Euh, je crois que c'est Don. Ouais. On va boire... Les... On va vider l'esprit de vie. En gros, ça veut dire qu'on lui... Qu'on lui... Euh on lui efface la mémoire en même temps qu'on le vide de son sang, c'est génial, hein. Donc le mec, il sait plus qui il est. À chaque fois qu'il se réveille, ils savent plus où ils sont, qui ils sont, pourquoi ils sont là, avec qui ils sont, etc. Et ça, je trouve ça trop horrible et trop drôle en même temps. C'est atroce. Du coup, bah, Léontine, elle est bien là, tranquillou, gilou. Euh, c'est cool, c'est cool. On a fait un bon épisode, je pense qu'on va se laisser là. Elle aussi euh, toutes les, les compétences là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bref. Donc tu vas vendre ton ail, ma petite mémère. Ah oh, Elle peut faire ça. Oui, bah alors, du coup, viens ici. Voilà, bah bon, alors c'est bon. Elle va reprendre sa composition puisqu'elle est en train de composer une musique. Oh, c'est trop beau l'orgue. J'adore. J'adore cette musique. <laughs> du coup, je vais vous laisser sur la magnifique image de Ecstasy qui est en train de se lécher à côté d'Hydromel. Euh, J'espère que l'épisode vous aura plu. N'oubliez pas de voter, euh, puis euh, à dire vos avis en commentaire. Ça me... Ça me... Comment dire ça me touche particulièrement. Pensez aux petites pouces bleus si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager ce que je fais et à le faire découvrir à vos copains, à vos aux gens autour de vous. Ça me fera plaisir. Je vous fais plein de bisous et salut.